Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing à la fois de la Matou Box et de la Miaou Box. J'ai pas eu le temps de vous les faire suite à un petit accident. Donc du coup, je vais vous faire les deux unboxings du mois de juin sur la même vidéo. J'ai également commandé pour Pix, j'avais commandé quoi déjà pour Pix? Oui, des croquettes, donc rien à voir. Et du coup, dans le colis, il y avait un code promo de chez Bitiba pour la marque Tigirino. Donc c'est une gamme de croquettes, non, une gamme de litière apparemment agglomérante. Donc c'est pas du tout ce que j'utilise pour Pix. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à récupérer le code qui est le 7QD-W-TY9N-4ECS-NJJS-3QZ. Donc qui apparemment est valable sur l'ensemble de la gamme Tigirino, utilisable une fois sur bitiba.fr, valable pendant 3 mois pré-réception du flyer. Le flyer, je l'ai dû le recevoir il y a 2 semaines. Donc voilà pour la petite info, et apparemment, je ne sais pas si d'écran à écran on peut scanner le QR code, mais voilà. Donc on commence par laquelle? Plouf plouf. La première que j'ai reçue, c'était la Miaou Box. Donc du coup, on va se faire la Miaou Box. Donc j'ai commencé à apercevoir le contenu quand j'ai demandé de l'aide pour qu'on me l'ouvre. Et donc du coup, voilà, bah, il n'y a pas de grand mystère. Le Miaou Mag, du coup. Alors là, je peux pas utiliser le pouce, je peux utiliser que les 4 doigts et je peux pas mobiliser le poignet. Donc c'est un peu chiant pour ouvrir le petit bazar. Donc ce mois-ci, il y a la fête de la musique. D'ailleurs, la fête de la musique, c'est ce soir, puisqu'on est le 21 juin. Donc, nous, à Lyon, il pleut à torrent. Donc, je pense que tout simplement, ça, plus le fait que j'ai déjà mouillé mon attelle sous la pluie tout à l'heure, on va peut-être éviter de remouiller l'attelle. Là, je vais l'enlever, la mettre à sécher pendant que je repose mon poignet. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, moi, j'ai de l'arthrose de partout. Je suis comme les vieux. Donc, quand la fête de la musique, je vais pas la faire. Allergie au pollen, eh ben. Lui, il éternue beaucoup. Il a vu le veto il n'y a pas longtemps. Il a été mis sous pour une réaction allergique. Alors, on ne sait pas trop si ça vient du pollen, mais il a beaucoup d'éternuements et il s'est gratté vraiment très de façon très importante, ce qui fait qu'il s'est complètement, j'allais dire, pelé. Il a plus de poils sur la paupière gauche. Donc, du coup, il a été mis sous corticoïde une semaine. Il est devenu complètement fou. Là, il est calme, donc je ne vais pas l'embêter avec la caméra, enfin la caméra avec la vidéo. Mais sinon, voilà, Pix, il a fait une réaction allergique il n'y a pas longtemps. Donc, on a une friandise au porc collagène insuline. Inuline, pardon. Oula, insuline. Pas parce que je suis diabétique qu'il faut parler d'insuline. D'ailleurs, j'en prends pas d'insuline. Bref. Protéines, nanana. Donc ça, je pense que c'est le genre de truc que Pix va pas aimer. C'est vrai qu'en ce moment, il y a très peu de choses qui peuvent convenir à Pix. Dans cette box, il n'y avait pas grand-chose. Sachant que Pix est quand même un chat très gâté, qui à un moment donné avait 3 box d'affilée. Donc, il a quand même eu beaucoup de cadeaux, quoi. Donc ensuite, des snacks crevettes pour faire des beaux poils. Ah oui, c'est des petites crevettes. Des petites crevettes séchées. Le problème, c'est que Pix, il est devenu très difficile comme chat. Là, il y a un jouet pour chat. Oula, il est ultra vigilant. Il a arrêté de faire sa toilette. Je crois qu'il va essayer de venir nous voir. Donc de l'herbe à chat. Et puis ces fameux jouets que je vous ai dit que j'aimais pas parce que je m'en suis pris un en pleine figure une fois. Donc ça va être des dons pour la SPA. Donc soit pour leur dispensaire, soit pour leur refuge. Mais voilà, ce sera pas jeté. Ce sera vraiment utilisé à bon escient. Bon bah Pix est reparti dans sa toilette. Donc voilà. Hop. On va du coup maintenant regarder la Matou Box. Donc qui m'a l'air quand même un peu plus garni. Pourtant je crois que c'est les mêmes gammes de prix qu'il y a. Alors ça c'est un peu plus intéressant. Ça, je lui garderai peut-être pour quand il est sage, pour lui faire une petite surprise. Donc, des jouets
Regarde des jouets. Pour que je la déjoue en babal comme ça. Apparemment silencieux. Carton recyclé. Nanana. Ce qui m'interpelle, alors c'est peut-être moi, hein, mais il n'y a pas la norme CE sur ces jouets. Donc je ne sais pas si les jouets pour chat sont soumis à la même norme. Mais voilà. Un petit bâtonnet Trixie Pix, il en a des mille, des dizaines, des centaines, des milliers. J'exagère, mais en fait, il en a eu une bonne dizaine au fil des box. Donc du coup, je les donne à l'SPA en systématique. Des friandises. Sans sucre ajouté. Ce qui est pas mal, la pique, je l'ai mis en alimentation sans sucre. Ouais, mais avant fin 2024, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Je l'ai mis en alimentation sans sucre parce qu'en fait, avec la cortisone qu'il a eu pendant 2 semaines, je ne voulais pas qu'il nous fasse un petit diabète, donc je l'ai mis en sans sucre. Et ça va. Et normalement, je vais pouvoir lui arrêter dans une quinzaine de jours. Mai 2025. Ça, peut-être que je lui ferai goûter. Donc, c'est thon courge cranberry. C'est sans céréales. Donc, ça, c'est la nouvelle mode de faire du sans céréales. Là, il a un petit bol. Il en avait eu un avec un fond vert il y a quelques temps. Donc, ça, oui, ça, je vais le garder. Ensuite, alors la Matou Box est beaucoup plus garnie que la Miaou Box, du coup. Pro Nutrition. Ça, le problème, c'est que les dates sont très très courtes. Parce qu'on a des choses qui périment en juillet ou à la fin de l'année 2024. Sachant que Pix fait ultra attention à son alimentation. Même plus attention à son alimentation qu'à ma propre alimentation. Parce que il a eu des gros soucis digestifs pour ceux qui suivent la vidéo. Mais franchement, le contenu de la box est vraiment ultra intéressant ce mois-ci. Pure Life. Saumon. Dinde. Et du coup, un kit dentaire. Donc voilà, c'est tout pour ces unboxings. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Cette vidéo vous aura plu. Donc bah, pour ma part, vous savez très bien que là, mon coup de cœur est pour la Matou Box. D'ailleurs, prochainement, je devrais réfléchir à ce que je poursuis et ne poursuis pas en termes de box. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces box. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !